non, j'ai bien de la misère, donc. Oh. Veux-tu que je réponde? Bon, ben, regarde bien ça, là. Ils vont tout en profiter pour appeler. Quand tu veux des téléphones, t'en as pas, puis quand t'en veux pas. Oui, allô? Oui, Laura, c'est moi. Ah bon? Comment ça va, toi? Ah, ça va bien, ça va, là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? Ben, je me demandais, es-tu chez toi cet après-midi? J'irai peut-être faire un petit tour. Quand ça? Là, là, aujourd'hui? As-tu à sortir? Non, mais... oui, oui, j'ai bien des commissions à faire, là. Puis je vais te dire, quand j'ai mes crises d'arthrite, là, je suis pas du bon. J'ai beau temps pour voir personne. Ben, comment, t'es en pleine crise d'arthrite, puis tu veux te lancer dans le magasinage? Ah ben oui, t'as raison, là. Je pense que je vais aller plutôt me coucher, hein. Ouais, c'est ça que je vais faire. Bon, ben bonjour, là. Laura, es-tu sûre que ça va bien, là? Je te trouve drôle. Ben là, je vais être obligée de te quitter, Noël, là. Ben, j'ai quelque chose qui renverse sur le feu, là. Ah, oh, tu peux pas. Ben, vas-y, vas-y, je te rappellerai plus tard. Non, non, c'est pas nécessaire. Moi, je te rappellerai, là. Je te rappellerai demain, hein? Demain soir, tiens. Oh, mon Dieu, si tu es rendu que t'as un agenda, va falloir prendre rendez-vous d'avance, maintenant. Bon, ben, c'est parfait, Noël, là, je te laisse, hein? Bonjour. Hé, pourquoi votre retour avec vous? Ouais, mais je pensais pas que t'étais bonne comme ça pour compter des menteries. Oh, je te dis. Ben voyons, qu'est-ce que t'as? C'est pas Laura que je m'appelle, c'est Judas. Sais-tu ce que je viens de faire, là? Je viens de renier le sang de mon sang. Je voulais pas qu'elle voie. C'est pour ça que je voulais pas qu'elle vienne. T'es sûre que ça te fait rien que je reste, moi? Ben non, toi, ça me dérange pas que tu lui dises un petit bonjour, là. Toi, c'est pas pareil. T'es pure, toi. Je sais que tu seras pas là à le juger puis à le condamner. Puis une autre fois, là, ben, je t'inviterai à souper. Mais là, tu comprends, quand on dit que ça fait quasiment 4 ans, là, que j'ai jamais eu la chance de me retrouver toute seule avec lui, là. Alors... Je sais pas s'il va se rappeler de moi. Ben, j'avais juste 8 ans la dernière fois qu'il m'a vue. T'as bien changé, mais c'est sûr qu'il va se rappeler de toi, là. Oh, t'as fini de poser ta banderole. Oh, c'est beau. Oh. C'est-tu fatigant d'avoir toujours la larme à l'œil comme ça? Oh, je suis assez à l'envers, moi, depuis quelques jours. Il me semble que tu devrais être contente. Oh, j'aurais donc dû suivre ma première idée aussi, puis pas l'écouter. J'aurais dû aller le chercher là-bas, là. C'est ça que j'aurais dû faire. Cette idée aussi me le remettre dans les mains à brûle pour point. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, dont eux autres? En tout cas, laisse-moi dire que s'il a pris le bord, je vais m'en mordre les doigts toute ma vie. 3 heures moins 10. Lui, qu'est-ce que tu veux, là? En sortant de là, il a dû se sentir comme un chien fou, c'est sûr. Oh, ben non, tu vas voir, il va arriver, ça sera pas long. Ah, et putain, là, je vais aller au moins l'accueillir à sa descente d'autobus. Tant qu'à pas tenir en place puis pas savoir quoi faire de mon corps. Bon, ben, tu restes ici, Sylvie, là? Ah, oh, oui, oui. Oh, je te dis, lui, pour dire qu'il m'en a donné des cheveux blancs. Mais tu sais, c'est pas rien qu'une question d'argent. Mon doudou, Sylvie. Pour l'instant, moi, c'est la seule affaire qui me tient à vie. Mais qui c'est qui peut bien parler, donc? Alors, je te comprends, 100 000 à l'heure, vieux, 100 000. Oh non, pas lui! C'est bel dernier que j'aurais voulu qu'il rencontre. Toi, ça va? Faut pas t'ennuyer avec ça. Il y a rien de plus ennuyant qu'un gars qui s'ennuie, hein? Oh, sa mère! Ah, Normand! Ah, c'est beau de voir ça. Je suis pas forte sur les effusions en public, là. Viens, Normand, on va aller continuer sans dents. Hey, si tu venais prendre une bière, je travaille pas avant 7 heures, hein? Gêne-toi pas. Hein? Je te remercie, je verrai. Son programme de la journée est bien chargé, là. De toute façon, il n'y a pas le droit de mettre les pieds dans un débit de boisson. C'est formel, ça. Rentre, Normand, là. Il y a quelqu'un qui a bien hâte de te voir. Ah ouais? Hey, Madame Boilette, faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, là? Savez-vous ce que je trouve le plus fantastique dans tout ça? Non, quoi? En 4 ans, là, ils n'ont pas réussi à le casser. Tu sais, la plupart sortent de là démolis. Lui,
Il a conservé le moral. Il veut. Pensez-vous que ce n'est pas extraordinaire, son plan, hein? Oh, boy! Hein? Oui, oui. Oh. Son plan? Mais quel plan? Oui, elle a grandi. Puis elle a grandi en grâce et en sagesse. Moi, en tout cas, là, c'est ma meilleure. On peut quasiment dire que je suis ta troisième grand-mère, hein, Sylvie? Ben oui. Comme ça, on peut quasiment dire que je suis ton monon. Ouais. Bon, ben, je vais vous laisser tout seul. Je veux dire, il faut que j'aille chez nous, là. Ben, ça m'a fait plaisir de te revoir, Sylvie. Ah, oh, ben, moi aussi. Ah, merci, hein, pour la banderole. Ah, ben, c'est rien. J'ai trouvé ça le fun de faire ça. Je te remercie beaucoup pour toute ton aide, ma Sylvia. C'est comme rien. T'as dû bretter en quelque part, toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait? Mon tigre! Normal, ah, écoute, toujours aussi féroce, toi? Normal. Ah, toujours aussi féroce, hein? Tu vas y faire mal! Normal! Normal, bon, écoute donc! Ben non, voyons sa mère. Ah. J'ai jamais tué de chat où il y a longtemps où j'ai oublié, où il s'en souvient plus. Ah. Pourtant, il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil comme moi j'aime Frida. Ah. Y'a la radio! Arrête donc, grand fou! Normal, bon! Écoute donc, toi, as-tu pris quelque chose? Non. Ben, avec tout ce qu'on entend dire, tu sais, je le sais que ça circule là-bas. Je me sens libéré, sa mère! Oui, je veux bien croire que l'air libre te monte à la tête, mais oublie pas que Kirito samedi pleurera dimanche. Et puis toi, là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là de plan, là? C'est pas un plan, c'est un grand projet. Je vois enfin le bout du tunnel, sa mère. Je vois une possibilité d'avenir. Mon avenir est fait. Ben, voyons donc. Dis-moi pas que ça recommence. Non, 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 c'est pas ce que tu penses. Il y a quelques mois, il y a un monsieur Boulian qui est arrivé. Un scientifique, un biologiste. J'ai hâte que tu le rencontres. Sa mère, c'est un génie, un vrai génie. Ah bon? Hé! Hey, j'ai oublié ton cadeau! J'ai assez une misère à le trouver. Il a fallu que je fasse trois magasins. Ah ben, c'est pour ça que t'es en retard. Mais tu sais, hein, c'était pas nécessaire. T'aurais pas dû. Pourquoi tu gaspilles ton argent, donc? L'argent, c'est à veille de péter un problème sur l'argent. Pas juste mon avenir, ma fortune est faite, puis grâce à ça. Hein? Mon doudou, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des algues séchées. Hein? Selon M. Boulian, c'est miraculeux pour la retraite, t'es sauvé, sa mère. Puis c'est bon pour bien d'autres choses aussi, la sénilité, l'obésité. Ben, je te remercie, hein? J'en ai déjà des algues dans mon bubble bat. Ah, ben, c'est pas rien pour mettre dans ton bain, c'est pour manger. Ben, voyons donc, toi. Ben, c'est sérieux, sa mère. C'est le pain vert de demain. Quand les sols vont être épuisés, là, que la terre pourra plus nous nourrir, il va falloir se retourner vers l'océan. Oh, mon doux! Ben, j'espère bien mourir avant de voir ça. La disette va venir plus vite que tu penses. Puis ça, il y a des brilleurs comme Boulian que ça fait longtemps qu'ils savent. Lui, il a travaillé pendant 3 ans dans une ferme marine en Californie, à Laguna Beach. Puis tu sais qui finançait ça? La General Electric. Pas fou, eux autres, ça voit loin. Puis c'est pas juste bon pour manger, c'est pas juste la nourriture de demain, c'est la source d'énergie de demain. Tu sais que c'est incombustible. Tu voudrais peut-être que je m'en serve comme ça? Selon M. Boulian, il y a de quoi faire ici. Ça a l'air que c'est quasiment pas exploité. Lui, il a déjà le terrain en Colombie-Britannique sur le bord de la mer. Puis dès qu'il y a assez de capital, il se lance dans une grosse production d'algues. C'est bien pour dire. Il y en a qui ont toutes sortes d'idées. Ouais, mais la meilleure, c'est qu'il m'a demandé. Il veut que j'embarque avec lui. Ah, c'est ça ton fameux projet. Ben oui, mais pauvre toi, tu connais rien là-dedans. Ben, il m'en parle. J'en apprends. Tranquillement. Ah bon. Bon, ben, je vais aller voir à mon souper, moi. J'espère que ça va être bon. J'ai jamais vu un enfant être aussi influençable. Il est encore prêt à coquiner avec je sais pas quel fripon, là. Ah, il n'ira donc jamais les deux pieds sur terre. En tout cas, c'est loin d'être fait, son affaire. J'ai pas encore dit mon dernier mot, moi. Pour le moment, on va lui laisser ses illusions.
pauvre garçon. Puis, faut pas que je m'en fasse trop avec ça. Hey, ça va, hein? Mm. Je vais les mettre à tremper. On va se faire une bonne petite salade. Ben non, c'est pas nécessaire, là. J'ai bien de quoi. Ta santé. Tu sais que je vais trouver un bol? Non, non, fouille pas, là. Tu trouveras pas. Attends un peu, là. Je vais t'en donner un, moi. T'as faim? On sera pas long. T'achètes. Ah oui, donc. Essaye donc encore un petit peu. Non, non, non. Merci, là. La bouchée que j'ai prise me suffit. C'est pas si mauvais que ça. Oh. Monsieur Bouillon le dit, la prochaine étape, c'est d'éduquer le palais humain. Mm-hmm. C'est une question d'habitude alimentaire. Coudon, les Japonais en consomment 500 000 de tonnes par année. C'est pas le dernier des imbéciles, les Japonais. Ben ici, on est pas au Japon. Nous autres, on mange des pâtes de cochon. Bon. C'est quasiment insultant, moi, qui prends la peine de faire ton mets préféré. Pas une grosse faim. Ben oui, mange donc. De toute façon, sa mère t'en mange déjà des algues, puis tu le sais même pas. Ah, dis-moi les pas, j'aime autant pas le savoir. Tu penses que je rêve en couleur, hein? Pas en tout. Monsieur Bouliane me fait une proposition concrète. Mm-hmm. Dès que je charge, je m'enligne sur le BC. Mm-hmm. Une petite maison sur son terrain. Rien de luxueux, mais c'est habitable. Il y a même à disposition. Je m'installe, j'étudie un peu l'affaire. Puis dès qu'il y a une chance, il revient me rejoindre, puis on part la patente. Normand, tu me dépasses. T'es même pas encore sorti, t'es déjà prêt à t'embarquer dans un autre gamique. C'est pas une gamique, c'est tout ce qu'il y a de plus légal. Ben oui, je vois quoi ça encore. T'aimerais pas ça, finir tes jours sur la côte ouest avec moi? Hein? Ben... Tu devrais voir M. Bouliane, il y a 50 ans passés, puis on y en donnerait 35. M. Bouliane, M. Bouliane, ma foi, t'as rien que ça dans la bouche. Coudon, il t'a-tu lavé le cerveau, celui-là? Quand est-ce que tu vas apprendre à être moins naïf, normalement? Tu à pas faire confiance au premier venu. Mais tu sauras que c'est un gars bien correct, cet homme-là. Normand, prends-moi pas pour une dingue, là. C'est rendu où ce qu'il est, tu me feras pas croire que c'est parce que c'est un saint. Voyons. Mais écoute sa mère, qu'est-ce que tu t'imagines? C'est pas un détenu, cet homme-là, c'est un professeur. Ah, c'est un professeur de biologie. Ça n'a ni qu'une tête, ton affaire. Oh. Faut toujours bien quelqu'un te ramène sur Terre. Faut toujours bien quelqu'un t'ouvre les yeux, bon. Il est bien bon, ton ragoût. Ouais. Ça. Je le sais que quand on sort de là-bas, là, c'est pas facile de se trouver de l'ouvrage. Mais ça, ça veut pas dire qu'il faut se lancer dans n'importe quoi puis chercher midi à 14 heures. Toi, là, t'as pas à te creuser la tête. Il y a assez de moi qui passe mes nuits à jongler. Non, non, c'est simple, là. Quand tu sortiras, tu t'en viendras ici. Je veux pas que tu t'embarrasses d'un loyer, des comptes et puis tout ça, là. On prendra tout notre temps pour te trouver quelque chose. Jamais je croirais qu'on sera pas capable de trouver un travail honnête, puis avec de la sécurité, puis... Ben, Normand, ça te tente-tu de jouer aux cartes ou ça te tente pas, là? Ben... Pourquoi tu parles pas, là? Dis quelque chose. Je vais apprendre à me taire. Là-bas, quand tu jappes, ils t'envoient dans le trou. Ça fait que je m'ostine plus avec personne. Si quelqu'un n'est pas de mon bord, tant pis. Mais pourquoi tu dis ça, là? Tu sais bien que je suis de ton bord, moi. Tu me comprends pas. Tu trouves pas que j'ai assez étouffé de même? J'ai besoin de... d'un horizon plus vaste devant la face. J'ai besoin de... Je suis pas né pour un petit pain. C'est pas vrai que je suis né pour un petit pain. Ah, calme-toi, là, Normand. Écoute, là. Toi, on sait bien, toi, depuis que j'ai fait ma scarlatine à 7 ans, depuis ce temps-là, que tu me prends pour un faible, que tu me couvres, que tu me prends pour un pas bon, un incapable. Ben oui, mais t'avais fait une complication au cœur. T'as failli y passer. Puis veux-tu bien me dire, là, pourquoi tu me ramènes ça, là? Qu'est-ce que ta scarlatine vient faire là-dedans? Une fois que je rencontre quelqu'un qui croit un peu en moi. Ah, ben, je te remercie. C'est fait encore se faire dire ça. Ben, tu sauras, mon garçon. S'il y a quelqu'un qui avait misé haut pour toi, c'est bien moi. J'avais mis en toi toutes mes complaisances. Puis on a vu ce que ça a donné. Ouais. Je t'en prie, sa mère! Oh, puis veux-tu, là, tu vas me faire le plaisir de pas m'appeler sa mère. On dirait quasiment que tu parles à la mère d'un autre. Justement, je suis pas sûr que tu me connais. Tu me regardes, là, puis je me demande seulement si tu me vois. Comment ça se fait que tu t'aperçois pas que j'ai changé? J'ai changé, sa mère. Oui, on dit ça, on dit ça. Tu penses pas, toi, que 4 ans en dedans, ça peut marquer quelqu'un?
tout seul entre quatre murs. Tu peux pas te fuir toi-même. T'es tout seul avec toi pendant des jours, des jours, des jours. Et... Puis là, tu passes au cash. T'as rien que ça à faire, t'étudies toutes tes coutures. Tu es censé te passer, puis lire, 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 lire. Tu peux pas sortir de tous ces livres-là avec la même tête que t'avais avant. C'est pas possible. Ben oui, je le sais. Un jour, tu liras ça. C'est ma descente aux enfers ou ma montée au ciel, je ne sais plus. Peut-être que tu comprendras. Peut-être que tu seras enfin fier de moi, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, là, tes mémoires? Es-tu rendu comme papillon, hein? C'est pas fameux, hein, ce film-là. Mais t'as vu, on en fait le tour, puis il n'y a rien de mieux. On dirait qu'on fait exprès. Ben non, ça va, voyons. Tu dois bien trouver que ta mère n'a pas grand divertissement à t'offrir, hein? Me mets à ta place, là, un pauvre petit code de 24 heures, puis le passer à jouer aux cartes, puis à regarder un film plate à côté d'une vieille femme. Arrête donc, sa mère. Si j'ai décidé de venir, c'est que ça faisait mon affaire. C'est parfait. En tout cas, là, même s'il est de bonne heure, là, si tu veux te coucher, là, il n'y a pas de gêne, hein? Justement, je voulais te dire... Ah, moi, pas de problème, hein? Je suis pas intéressée plus qu'il faut, là, à voir la fin de ce film-là. Et puis, non, mais... tu fais bien de te coucher tôt, là. Mais... si tu veux être en forme pour tourner là-bas demain, là... Sa mère... Non, non, fais-toi-en pas pour moi. Je vais aller lire dans ma chambre. Sa mère, écoute-moi, je veux te parler. Bon, ben, quoi, là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je resterai pas à coucher. Hein? Mais comment ça? Où c'est que t'as l'intention d'aller coucher, là? Je vais retourner là-bas. Oh, Normand, voyons, ça se peut pas, t'as le droit jusqu'à demain, une heure. Faut que tu profites de tout ton temps. Je prendrai plus ça des codes de 24 heures. Il y en a bien qui m'en avaient parlé, mais il fallait que je réalise par moi-même. À l'avenir, je vais plutôt... je pense que c'est mieux des codes de 12 heures. J'espère que... j'espère que c'est pas moi, là, avec tout ce que je t'ai dit. Ben non, c'est pas toi. C'est moi, c'est tout. Par ça, j'ai hâte de rentrer écrire quelques lignes. Je sens que j'en ai gros à récapituler. C'est vrai, ton livre, hein? Ouais, mais je vais aller me rafraîchir un peu, là, puis, ben... je vais y aller. La serviette puis à des barbouillettes vertes, là, c'est à toi, ça. C'est pour toi. OK, merci. Oh. Après tout, il est libre. C'est lui qui doit savoir ce qui est le mieux pour lui. Oh. Je sais pas si... Hey, toi, là, au toit de là, c'est pas tes affaires. À ma bonne mère, tant que tu vivras, l'oisillon que je suis toujours resté saura qu'il a au moins une place auprès d'un cœur dans une grande cage thoracique. Quiconque est soupçonneux invite à le trahir. Proverbe chinois. Mais tu sais, sa mère, si t'inquiète, tu peux toujours appeler là-bas, vérifier si je suis rentré, hein? Oh, ben, sa mère, j'aurais jamais pensé ça de toi. Ben oui, mais c'est toi aussi. T'aurais pas dû me parler de ça. Tu sais comment je suis curieuse. Si je pouvais m'attendre à ça, Noëlla. Moi, ma grande peur, là, c'était qu'il veuille pas retourner. Puis le voilà qui part avant son temps. Ben oui, mais ma pauvre Laura, je vois pas ce qui te surprend. C'est ton fils. Tu devrais le connaître. Tu sais qu'il a toujours eu des drôles d'agissements. Et puis, c'est un spécial. Je te l'apprends pas, hein. Avec lui, tu sais jamais à quoi tu peux t'attendre. Ah, il est pas facile à suivre, je te l'accorde. Mais là, c'est moi que je comprends pas.
quand je vois comment j'ai agi toute la journée, là, à commencer par toi, là, t'as vu comment je t'ai reçu au téléphone? Si on est rendu qu'on peut même pas s'ouvrir à sa meilleure amie. Je t'avoue que sur le coup, là, j'ai été un peu offusquée. Mais je te connais assez, tu sais. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. C'est pour ça que j'ai décidé de venir après ma soirée à l'âge d'or. Non, tu me connais pas, Noëlla. Tu sais pas, toi, tout ce qui m'a passé par la tête aujourd'hui. C'est pas compliqué, là. Si j'avais été capable de mettre des barreaux aux fenêtres puis un cadenas à la porte, je pense que je l'aurais fait. Ça, c'est comme quand il était petit, là. Envoyé dans le parc, la petite barrière, puis il sort pas de la cour. Oh, il peut bien parler de ma cage thoracique. Quand tu dis que t'en viens même à penser que t'as pas hâte qu'il soit libéré. Oui, mais reste à savoir ce qu'il va en faire de sa liberté. Ben, tu vois, là, t'es comme moi. Oh. En tout cas, Noëlla, là, moi qui me demande toujours par où j'ai pu pêcher, je pense que je commence à m'en douter, là. Depuis qu'il était tout petit, là, c'est par manque de confiance dans ses capacités. C'est bien beau, la confiance. Mais ça s'accorde pas à l'aveuglette, ça, la confiance. C'est normal que tu t'inquiètes. Ton fils a quand même un passé, puis si on en juge... Puis la chance donnée au coureur, hein? Qu'est-ce que t'en fais? C'est pas parce que ton enfant a déjà fait une gaffe que t'es obligé de le marquer d'un saut dans le front, ad vitam aeternam. Mais choque-toi pas, Laura. Je vois pas pourquoi tu te choques. C'est toi qui as commencé par me dire qu'il était encore arrivé avec un projet farfelu. Ben oui, c'est sûr qu'à première vue, ça a l'air farfelu. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a toujours eu des idées à part des autres. Mais à un moment donné, là, faut bien le prendre comme il est. Puis c'est un excessif. Quand tu pars dans quelque chose, il est plus arrêtable. Mais quand même... Je sais bien pas de qui ce qui peut retenir ça. Hein? Demande-moi les pas, je le sais bien pas. Mais tu sais, là, d'un autre côté, je me dis, c'est peut-être pas si fou, là. Ça en prend des rêveurs, hein. Ça en prend qui voient large, là. Parce que demain, là, quand on n'aura rien d'autre à se mettre sur la dent des Alpes, là, ben ça va nous en prendre, des fermiers de la mer. Ça va nous en prendre.